c'est un truc de fou ce qu'on vit grâce à eux. Sans eux, rien de... sans eux on n'aurait rien fait, les détections et tout ça. Sans eux, rien on n'aurait fait. Après, merci qu'ils nous aient pris, qu'ils ont fait les bons choix et qu'ils aient confiance en nous parce que on sent de la confiance. On sent de la confiance entre les coachs, le staff et tout le monde. Il faut leur montrer qu'ils ont fait les bons choix. À l'hôtel, on a rigolé, on s'est entraîné, on a fait des bonnes choses. Ouais, dédicace à ma famille. Hein. On peut faire quelque chose dans le tournoi, il y a largement la place. Mais après, si, comme tu dis, si on fait quelque chose de bien, bah, peut-être qu'on se reverra et qu'on fera autre chose d'encore plus grand. Oui. Mon père, ma mère, qui sont venus me voir à Cannes, ils ont fait des heures de route en plus. Ils me soutiennent. Moi, je les aime. Moi, genre, c'est magique, c'est trop beau, on dirait, on était professionnels. Ouais, d'abord ma famille, toute ma classe, la 5B. 5B, on va se reconnaître, celle qui me soutient, c'est eux qui me soutiennent. On va tout donner, comme on sait que c'est notre dernier jour. Faut se lâcher. Ouais. En plus, si demain on gagne... L'OM. Ouais, le premier match à 9h30, voilà. L'OM. Eh ben, on passe. Est-ce pour les demi-finales. Et ce serait un truc de fou quand même. On a un bon groupe donc voilà. Après le réveil musculaire est toujours un peu difficile. Mais je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le match très vite. On a battu l'OM 2-0, match contre Monaco là, qui devient décisif pour cette deuxième place. Il va falloir le gagner ou au moins ne pas le perdre. Oh!
on a fait ce qu'il fallait avec une belle victoire 3-0 au bout, avec la manière, avec les buts, avec la confiance pour les joueurs offensifs. On n'a jamais envie de s'arrêter en demi-finale, donc on va essayer de faire un match cohérent contre le GC Nice qui a fini première de son groupe devant les Girondins de Bordeaux, donc c'est pas rien. Et j'espère que le résultat sera au bout.